Comme une punition, Muriel Robin fait triste révélation sur son ancien look. Muriel Robin en a fait du chemin depuis ses débuts au Petit Théâtre de Bouvard et dans l'émission La Classe. Après avoir multiplié les spectacles et les sketchs, l'humoriste a réussi à se diversifier et décrocher des rôles au cinéma et surtout à la télévision avec ses prestations très remarquées dans Marie Besnard. L'empoisonneuse, Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi ou encore Le premier oublié avec M. Pokora. Devenue désormais une artiste incontournable dans le paysage français. La femme d'Anne Lenant a fait son grand retour sur scène avec le show baptisé Epof. Un spectacle où elle reprend ses sketchs les plus mythiques. Le 29 novembre, TMC diffusera ce One Woman Show pas comme les autres pour l'actrice de 67 ans. Lors de la première, au théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, en septembre 2019. Je me suis aperçu que le public connaissait les répliques par cœur, comme s'il était à un concert et reprenait les chansons de l'artiste. A-t-elle confié dans les colonnes de télé 7 jours. On aurait pu faire un karaoké. Ce soir-là. Pierre Palmade était dans la salle. À la fin du spectacle, on s'est dit, waouh! Car comment aurions-nous pu imaginer cela, 30 ans plus tôt, quand nous avons écrit ces sketchs ensemble? Lors de cette représentation, retransmise à la télé, les téléspectateurs auront également le droit à un flashback de Muriel Robin. Le spectacle s'ouvre ainsi sur une image de l'artiste, datant d'il y a 30 ans. Et celle-ci n'est plus vraiment la même. Depuis ses débuts, la fille de cœur de Line Renaud est passée par la case relooking et a su s'approprier son image. Ce qui n'était pas le cas auparavant comme elle l'a révélé en faisant de déchirantes confidences. L'humoriste a avoué avoir un regard dur sur l'image qu'elle reflétait à l'époque et pour cause, son apparence physique était un moyen pour elle de cacher ses souffrances. Mes cheveux étaient trop courts, je n'avais pas le bon rouge à lèvres ni les bonnes boucles d'oreilles. Au-delà du look. Je crois que je m'imposais quelque chose de violent, comme une punition, une carapace loupée. A-t-elle expliqué. Je ne sais pas si j'essayais d'appeler au secours, en tout cas. Ça raconte quelque chose de cette période de ma vie. Muriel Robin a également révélé que pendant que les autres jouaient des spectacles, elle faisait des dépressions. Une sombre période désormais loin derrière elle. Et puis, petit à petit, j'ai retiré toutes les peaux que j'avais sur moi, jusqu'à me retrouver presque toute nue. Aujourd'hui, je suis devenue celle que je voulais, grâce également aux vagues d'amour que me donne le public. Toujours présent, a-t-elle assuré. La plus belle des thérapies.